Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un site gratuitement pour son serveur Minecraft. Alors quand je dis gratuitement, tout est relatif parce que je vais vous expliquer ça tout de suite après. Tout simplement, il va vous falloir vous rendre sur le site mine-web.fr. Et tout simplement ici vous avez plusieurs offres qui sont à votre disposition. Et tout simplement nous, l'offre qui nous intéresse, c'est l'offre tester, qui est l'offre gratuite qui vous permet d'avoir 200 MO d'espace de stockage et une base de données MySQL. Simplement, vous allez faire sur je me le lance, mais bien sûr il faut qu'il y ait des offres en stock. Actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a 10 offres en stock et les offres seront rapprovisionnées selon les demandes, etc., selon s'il y a des clients. Mais du coup, vous cliquez sur je me lance et vous allez tout simplement choisir. Bon, moi j'ai déjà un compte normalement, non, j'ai pas encore de compte. Du coup, vous allez choisir sur soit vous utilisez un domaine que vous avez acheté au préalable chez des revendeurs genre OVH ou LWS. Ou sinon vous faites utiliser un sous-domaine MineWeb. Vous mettez par exemple, vous, si vous créez un serveur que vous l'appelez Minecraft RP par exemple, j'ai une connerie, vous cliquez sur vérifier et vous voyez que si le nom de domaine est disponible, sinon vous pourrez pas le commander. Vous pouvez cliquer sur passer la commande et là vous allez entrer tout simplement vos informations. Mais moi comme j'ai déjà un compte, je vais mettre déjà enregistré. Et là une fois que vous êtes connecté, vous mettez régler la commande. Moi tout simplement ça va prendre un peu de temps, c'est un peu long au début. Hop là, une fois que votre site est commandé, vous cliquez sur continuer vers l'espace client et vous allez voir que votre service est déjà actif, qui a été livré directement et qu'il expire le 26/01/2020. Alors, sur la vidéo, on est le 26/12/2020. Donc voilà, votre site est actif pendant un mois et tous les mois vous pourrez le renouveler. Vous cliquez sur votre site et vous faites connexion à Place Control Panel. Une fois que vous arrivez, vous pouvez voir que vous avez votre nom de domaine que vous avez créé préalablement. Vous cliquez dessus et vous pouvez voir que votre site est disponible. Si vous faites ouvrir dans le web, votre site a bien été créé. Cependant, on a une erreur de connexion, comme quoi le site n'est pas privé. Je vais vous montrer comment mettre le HTTPS sur votre site pour avoir le cadenas, comme quoi le site est sécurisé. Vous allez tout simplement dans certificat SSL/TLS. Une fois que vous y êtes, vous cliquez sur obtenir gratuitement protection de premier niveau. Vous cliquez sur protéger le domaine WillCard et vous faites obtenir gratuitement en mettant votre adresse email, bien évidemment. Une fois que cela est fait, vous allez recevoir un message comme quoi la génération du certificat SSL est en train d'être faite pour le nom de domaine. Vous cliquez sur site web et domaine. Là, il va juste falloir attendre pour que le SSL se mette correctement. Si vous faites ouvrir dans le web, vous allez voir qu'après, une fois que tout sera installé, vous aurez le cadenas. Là, du coup, votre site a bien été créé. Vous avez votre site gratuitement. Et pour se connecter aux accès FTP, vous allez cliquer sur accès FTP juste ici. Vous allez cliquer sur votre compte FTP et vous allez générer un nouveau mot de passe. Et ici, vous mettez un nom d'utilisateur que vous voulez. Moi, par exemple, Gotenko. Et vous faites OK. Ah, tout simplement, après vous pouvez vous connecter sur votre FTP. Moi en l'occurrence c'est WinSCP. Vous mettez le nom d'hôte qui est l'IP tout simplement de la machine, 85.216.25.90, qui est écrit juste ici. Nom d'utilisateur, vous mettez l'identifiant que vous avez mis, moi en l'occurrence c'est Gotenko. Et le mot de passe que vous avez défini quand juste avant. Et là vous mettez numéro de port, vous mettez 1, 21, et vous faites connexion. Vous pouvez voir que j'ai bien été connecté à mon fichier. Et vous allez aller dans HTTP doc. Et là, vous allez mettre tout simplement votre site. Je ferai prochainement un tutoriel comment installer MineWeb sur notre site. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Et puis de rejoindre le Discord qui sera dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. À plus.